Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la deuxième partie de la rencontre avec le père Christophe Rocou. On était en train d'évoquer les exemples justement de rencontres pendant l'émission précédente. Je voudrais que vous donniez la possibilité de nous les évoquer, mais également poser une question importante parce que je crois qu'il y a quelque chose de contradictoire et d'inexplicable, bien que l'actualité l'explique si on veut, dans les relations entre chrétiens et musulmans. Jamais chrétiens et musulmans ne se sont autant rencontrés, jamais chrétiens et musulmans ne se sont autant parlé, mais dans l'histoire récente, jamais chrétiens et musulmans n'ont eu de relations aussi tendues. Et je précise ma question, quand je dis rencontrés, ça veut dire entre responsables des communautés. Par contre, il n'y a pas encore eu cette rencontre entre les masses chrétiennes et les masses musulmanes, qui devraient être en vérité le fruit logique de ces rencontres entre les responsables chrétiens et musulmans. Oui, ça c'est vrai, c'est notre travail. Hein. Je crois que entre responsables, on se connaît mieux, on réagit plus vite. Je prends un fait, hélas, qui s'est produit. Moi, j'étais en vacances au mois d'août, mais il y a eu des tags sur une des mosquées d'Angoulême. Et l'évêque d'Angoulême, Monseigneur d'Agens, qui par ailleurs est à l'Académie française, je veux dire qu'il est un intellectuel d'un côté, mais qui a immédiatement fait un communiqué très bref, et où je trouve que ce qui était important, il disait, c'est il manifestait sa solidarité avec la communauté musulmane en disant je les connais, et il disait c'est un signe de rejet. Et j'ai oublié l'autre mot, mais il soulignait le risque qu'on sent aujourd'hui en France. De passer de l'hostilité à la haine. Oui. Et qu'est-ce ça, qui, et ça qu'est-ce pour qui... moi, c'est une ligne rouge qui est justement, qu'est-ce qui explique ça? Parce que, pourtant, on vit de plus en plus ensemble. On vit de plus en plus ensemble. Plus on avance, plus la durée de vie commune est longue. Oui. Mais moins le contact est fait et plus un mur invisible est établi entre les deux communautés de croyants, entre chrétiens et musulmans. C'est inquiétant. Et j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, comprendre, parce que vous êtes au quotidien, les raisons. Nous essayons de réfléchir. Alors, je sais que ça choque quelquefois des amis musulmans, je préfère utiliser les mots « il y a chez certains Français, et parmi les Français chez certains catholiques, une peur de l'islam et des musulmans ». Donc je dis « partons de là », c'est pas un mot que, c'est pas mon attitude, mais... Comment s'explique cette peur? Moi, j'essaie nous essayons d'essayer de réfléchir. Alors, il y a des raisons externes. Il y a le contexte géopolitique mondial, les bouleversements dans des pays à majorité musulmane proches de chez nous. Je dis autour de la Méditerranée, on se préoccupe moins de ce qui se passe en Chine, dont vous venez, ou en Indonésie. On oublie quelquefois aussi, ça je trouve dans les deux communautés, que... une majorité de musulmans dans le monde aujourd'hui ne sont pas de culture arabe, ne vivent pas autour de la Méditerranée ou de la mer Rouge, mais les premiers pays, c'est l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, le nombre des musulmans. Je crois en Inde, même si c'est une minorité comme les catholiques, mais c'est autour de 120 millions. Donc, une des causes de la peur, c'est la manière dont sont présentés, sont ressentis les événements qui se passent, disons, au Proche-Orient. Une deuxième, qui est typique, je pense, de notre histoire de France, qui n'est pas celle des Anglais, des Hollandais, des Allemands, c'est les blessures profondes et dont on a du mal à parler, de la colonisation et de la décolonisation. Des deux côtés. Les relations entre les deux rives de la Méditerranée se développent beaucoup plus, même que on va en vacances. Certains sociologues font remonter ces ressentiments. D'un côté comme de l'autre, pour être juste, pratiquement jusqu'à l'époque des croisades. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste aujourd'hui? Ce n'est pas plus l'actualité, le traitement politique, quand on a un président qui lance un débat sur l'identité nationale qui crée des tensions et des fissures? Est-ce que ce ne sont pas aussi, sans incriminer les médias, certains journalistes, par un certain discours... J'incrimine quelquefois ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de médias simplifient. C'est vrai que les situations sont complexes, qu'il faut parler en une minute d'une situation. Mais moi, je prends souvent cet exemple, puisque moi, je vis dans la banlieue parisienne, je suis parisien, ce qui n'est pas le cas en province. Vous prenez le métro deux fois par an,
les grands hebdomadaires, disons Le Point, L'Express, Le Nouvel Observateur, sortent au moins une couverture avec des femmes en niqab et des barbus consistants. Mais je dis ça, ça finit par marquer notre imaginaire. Je dis ça parce que je reçois des couples où l'un est musulman, l'autre chrétien, ils envisagent de se marier. Et souvent, si une jeune femme dit « je fréquente un musulman », mais la réaction, ça m'a été dit encore hier soir, « bon, bah alors c'est un terroriste ». Je veux dire, l'assimilation et les blessures, moi je suis frappé en 1974, j'étais jeune, je suis descendu en stop de Alger à Tamanrasset avec deux copains. Donc nous étions trois Européens avec des sacs à dos et nous avons été pris en stop à côté de Médéa, une ville qui doit être grande aujourd'hui, qui s'appelle Berou Agaïa. On monte dans la voiture et le conducteur algérien, bien sûr, au bout de quelques minutes, nous dit « vous savez, j'ai été prisonnier des Français, j'ai été torturé, mais nous avons notre indépendance, pour moi c'est terminé ». On était en 74. C'était récent encore. C'était récent, ouais. 12 ans après la guerre d'Algérie. Moi, j'ai écouté ce qu'il disait ensuite, il faisait la différence entre les appelés. Mais il disait, voilà, on a notre indépendance, on n'a plus de raison de... Et je constate que 50 ans après, contrairement à ce que disait cet homme qui, lui, parlait de l'intérieur, il l'avait vécu. Il a tourné la page. Il a tourné la page. Ceux qui n'ont pas vécu cela, et ce n'est pas un reproche, mais il y a beaucoup de choses qui demeurent. Ma génération du côté français n'a jamais entendu... J'ai jamais entendu ceux qui ont été appelés en Algérie et qui ont fait la guerre d'Algérie en parler. Est-ce que vous ne pensez pas que le politiquement correct, de vouloir tout arrondir, tout arranger, ne pas dire certaines choses, ne pas prononcer certains mots, contribue directement à ces tensions parce qu'il reste des choses renfermées qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas exorcisées? Tout à fait. Moi, j'espérais qu'à l'occasion des 50 ans de l'indépendance l'an dernier, il y a eu des hommes qui ont parlé de part et d'autre. Mais je pense qu'on ne s'est pas dit assez de choses. Donc voilà, il y a ces souffrances intérieures. Il y a ensuite... comment dire, je prends un exemple parce que je crois que ça marche, l'opinion publique française. Pour moi, c'est secondaire. Mais on me dit, le prêtre qui est en relation avec les musulmans sur Saint-Denis et qui a beaucoup d'amis musulmans, me dit, quand on habite Saint-Denis aujourd'hui, de fait, il n'y a plus de charcuterie artisanale dans la ville de Saint-Denis. Si on veut acheter, il y en a pas. Avec le sourire, du saucisson ou du jambon, il faut aller dans la grande surface. Bon, c'est comme ça. Ça a été décrété par personne. Il n'y a pas de plan caché ou autre. Mais c'est des choses qui jouent quelquefois sur le quotidien des Français. Alors souvent, moi j'entends dire dans des conférences que je fais, mais il n'est pas désigné, n'ont qu'à adopter nos coutumes. Et ma réponse aujourd'hui, qui est un peu provocante, c'est de dire, moi j'habite Ivry-sur-Seine. Le dimanche, à la messe à Ivry-sur-Seine, je suis prêtre. L'assemblée composée de gens, certains blancs, d'autres noirs, d'autres venant du Sri Lanka. Je veux dire, la communauté catholique aujourd'hui à Ivry, elle est composée de gens qui ont des coutumes vestimentaires et culinaires très différentes. Donc déjà, dans la communauté chrétienne française aujourd'hui... Il est difficile de faire... Il y a une diversité. Donc qu'est-ce qu'on entend par coutume? Alors c'est vrai ensuite que, je le dis... Mais il faudrait, comme vous le disiez, qu'on sorte du politiquement correct et qu'on puisse s'expliquer sur, quelquefois, des comportements radicaux. C'est vrai que, à côté de là où se trouve... Et aussi, et moi je le dis pour vous, pas pour vous en tant que personne, mais pour nos frères chrétiens, il faut aussi voir la réaction, puisque si je prends l'exemple de Saint-Denis, puisque j'y vis. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus, alors que c'est la ville d'intronisation des rois de France, il n'y a plus de présence française de souche. Presque, quand ils marchent, ils sont timides parce que la ville est devenue antillaise et musulmane. J'utilise le mot musulmane et pas arabe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diversité extraordinaire. Ce qui fait, on cherche le blanc, entre guillemets, à la loupe, à Saint-Denis. Ce qui fait, il faut le comprendre également quand il voit son espace, qui, il y a 30 ans, était absolument le sien et il menait sa vie et l'autre était l'invité. Aujourd'hui, celui qui est dans le pays d'origine se trouve comme un étranger, entre guillemets, chez lui. Donc ça se comprend et c'est ce dialogue. Cet échange de part et d'autre qu'il faut aussi que les musulmans comprennent que dans certains endroits, ils ne sont pas responsables de cette concentration. C'est des politiques qui sont responsables de cette concentration.
en fait que le français de souche se sent agressé, tout simplement parce que justement il trouve plus sa charcuterie, il trouve plus ses repères. Donc il faut comprendre que, comme on comprend et on réclame des droits de notre côté, il faut comprendre aussi d'en face. Tout à fait. Et je crois, vous avez souligné, puisque vous avez prononcé le mot, et je connais une des maires adjointes, parce qu'elle est très engagée dans l'église catholique de Saint-Denis, qui est antillaise d'origine. Et là aussi, comment dire, il y a un travail de connaissance mutuelle. Déjà le fait que dans l'église catholique ou les églises protestantes, il y ait des gens d'autres couleurs que la couleur blanche qui soient présents, qui ont des responsabilités. Du coup, que le christianisme, ça je crois que c'est important aussi, ne soit pas uniquement assimilé à l'Occident, parce qu'il y a des Africains qui sont catholiques ou protestants, et... mais qu'on se rencontre et qu'on parle. Parce que c'est vrai aussi que j'ai eu la remarque d'amis responsables musulmans sur Lyon, qui me disent, mais avec vous, on a pris le temps de se connaître, d'échanger, etc. Et maintenant arrivent en France, par exemple, des gens originaires de Syrie ou d'Égypte qui ne peuvent pas voir un musulman. Que vont devenir nos relations ? Alors d'une part, c'est vrai que nous, par exemple, dans l'attitude que nous avons ici, moi qui ai vécu 9 ans en Égypte, j'y retourne chaque année, je veux dire, on parle franchement, on n'a pas de langue de bois entre nous, on me dit, mais tu es bien naïf, regarde ce qui se passe chez nous, vous ne devriez pas être en dialogue avec les musulmans, bientôt vous n'aurez plus le droit d'avoir d'église, etc. Donc il faut désamorcer les ça choses. Ça aussi c'est de l'exagération. Oui, tout à fait. Expliquer que la situation de la France, ce n'est pas la situation de l'Égypte ou de la Syrie. Et notre ligne, vous parliez des axes du service, notre ligne en particulier depuis 4-5 ans, qui n'est pas toujours comprise au sein de l'Église catholique, c'est de dire, c'était un peu l'attitude de Mgr Sentier, l'évêque de Créteil, qui était le responsable, nous ne choisissons pas entre nos voisins musulmans et nos frères chrétiens, nos voisins musulmans d'ici, je prends Ivry où j'habite, l'épicier qui est en bas de chez moi, et nos frères chrétiens d'Égypte. Solidarité avec nos frères chrétiens d'Égypte, je prends l'Égypte, et amitié avec les musulmans qui sont nos amis et nos voisins, et il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. Mais on a du mal à faire comprendre ça, que je prends exprès parce que c'est un coxy-market. Oui, je voudrais justement, parce que vous me tendez la perche en parlant de vos frères d'Égypte et de vos frères de Syrie ou d'Irak ou d'ailleurs dans le monde musulman, les chrétiens qui sont dans le monde musulman, et que je rappelle à ceux qui nous regardent, qui sont aussi égyptiens ou aussi syriens ou aussi irakiens que les musulmans. Donc, et c'est le même peuple. Oui. Cela me renvoie à l'actualité. Mmh. Et cette actualité qui, à mon sens, pollue les relations qui n'ont pas besoin d'ailleurs. Parce qu'on a suffisamment de passifs qu'on traîne qu'on n'a pas besoin de pollution récente. Ouais. L'actualité de ce qui se passe en Égypte, la guerre qui sonne aux portes de la Syrie, la guerre civile y est déjà. Donc tout ça crée des tensions supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les faits divers que nous vivons en France, ici, chez nous, où nous côtoyons, nous sommes voisins, nous sommes collègues, mais il y a également des tensions parce qu'il n'y a pas aussi cette solidarité automatique. Je prends pour exemple de faits divers le cas d'Aïssatou, que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui a été agressée parce qu'elle portait le hijab et qui a tout le mal du monde à convaincre les autorités qu'elle a été agressée, mais on l'accuse, presque elle a inventé, c'est une menteuse. Et c'est dramatique parce qu'elle a 16 ans et elle a été tellement peinée qu'on ne la croit pas qu'elle s'est défenestrée. Donc si vous voulez, comment désamorcer? Parce qu'on ne vit pas dans une bulle, on vit dans un monde de plus en plus globalisé. Comment désamorcer? Parce que déjà votre mission il y a 40 ans n'était pas facile. je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. Comment désamorcer? Multiplier les occasions de contact, de rencontres, d'invitation mutuelle, et puis essayer de distinguer, les choses sont toujours mêlées dans la vie, mais ce qui est d'ordre, vous l'évoquiez tout à l'heure, social, politique, et ce qui est d'ordre religieux. Je prends un exemple, on entend chez certains de nos concitoyens dire, regardez, dans les prisons de la République,
40%, 50% de la population carcérale sont, je fais exprès de dire une chose, de tradition musulmane. Ils ne sont pas de tradition musulmane parce qu'ils sont musulmans. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils sont musulmans. Et c'est pour un certain nombre de raisons, sociaux, économiques. Et donc apprendre à distinguer et les choses. Et même juridique, parce que des fois, la précarité juridique de ne pas être en situation légale pousse à une certaine forme de criminalité. Je ne justifie pas, mais je veux dire qu'il y a les conditions sociales, mais également donc, il y a les conditions juridiques. Pour moi, il y a un travail à faire qui est là le rôle des élus politiques et par rapport au travail, par rapport à la scolarisation, par rapport à l'urbanisation. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des quartiers qui sont sans loi. Et ça ne relève pas de la religion. Et je crois que ce n'est pas le rôle des religieux, comme on a voulu leur faire jouer à un moment. Nous sommes... Père Rocou, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous ne pensez pas que la vraie raison de toutes ces tensions, c'est parce qu'en vérité, il y a un déficit de confiance. Que même s'il y a un dialogue, même s'il y a une amorce de dialogue et de rapprochement, en vérité, les deux communautés, pas seulement en France, mais dans le monde, de chrétiens et de musulmans se regardent en chien de faïence parce qu'il n'y a pas de confiance. Oui, mais cette confiance, le problème, c'est qu'il faut la tisser et la construire. Je comprends bien, mais est-ce que ce n'est pas une des raisons fondamentales? Si, et puis alors, je pense chez certains, je ne pense pas chez vous à vous entendre, ni chez moi, il y a ce déficit de confiance, et il y a aussi, j'allais dire, à la limite, de confiance en Dieu. Il se trouve que... C'est intéressant, ça. Je suis chargé dimanche prochain, la messe télévisée, qui a lieu tous les dimanches, a lieu au Mureau. Que c'est moi qui vais assurer la prédication, et c'est un texte d'évangile qui n'est pas facile, qui est de préférer le Christ à toute autre relation. Et je finis mon homélie en citant un des derniers discours de Benoît XVI. Il faudrait qu'on revienne, je crois qu'il y a été... Il y a eu le discours de Ratisbonne, mais ensuite, j'allais dire qu'il y a une image injuste, quelquefois, chez les amis musulmans. Mais dans son dernier discours, à ceux qui travaillaient avec lui, le 22 décembre 2012, il dit « Le chrétien ne doit pas avoir peur d'entrer en dialogue pour son identité. » Et il doit faire confiance il prend une image, à Dieu qui lui tient la main, ce qui fait qu'il peut entrer en relation avec l'autre sans difficulté. Donc ce déficit de confiance, vous le dites. Et puis, pour moi, il y a une raison d'ordre religieux. Et là, je trouve qu'il y a la responsabilité d'un côté des prédicateurs musulmans ou théologiens, de l'autre des prêtres ou des pasteurs. C'est notre rapport à chacun d'entre nous, ça va être un peu philosophique et théologique, mais à la vérité. Mais il le faut. À la vérité. Et là, je crois qu'il y a deux attitudes, et y compris le pape Benoît XVI a utilisé vers la fin de ses responsabilités l'expression de « nous sommes pèlerins de la vérité ». Ça veut dire on est en marche. La vérité avec un grand V, pour vous comme pour nous, c'est Dieu. Et aucun d'entre nous ne possède la vérité. Et moi, ma difficulté dans la mission qui m'est confiée, c'est que soit chez des catholiques, soit chez des musulmans, soit chez des laïcs, on a des gens qui disent « j'ai la vérité et les autres sont dans l'erreur, donc je les méprise ». C'est justement, quand on ne doute plus, c'est là le début des problèmes. Oui, mais... Parce que quand on avance des certitudes, c'est qu'on ferme la porte à tout dialogue. Oui. Pour moi, c'est peut-être une conception chrétienne, mais à vous écouter, je pense que ce n'est pas qu'une conception chrétienne. Le doute fait partie de la foi. C'est-à-dire la foi est une avancée, une recherche vers Dieu. Ben vous qui avez vécu en Égypte et qui parlez arabe, apparemment, d'après ce que j'ai compris, vous avez certainement entendu parler de l'imam Al-Ghazali, qui a écrit son livre « Shakk Tariq Al-Yaqin ». Le doute, c'est le chemin de la certitude. Mm-hmm. Donc ça fait partie, justement, de la construction de la foi que de douter. Tout à fait. Y compris de l'existence de Dieu. Je vais choquer. Mais plus on doute, plus on arrive vers la certitude de son existence. Et puis vers le fait que, j'allais dire, je tiens assez fort à ce que je venais de dire, et le pape l'a redit, et en direction de certains catholiques, c'est important, en disant « Nul ne met la main sur Dieu ». Et c'est ça qui est terrible, je trouve, chez les intégristes, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, les laïcs ne font pas référence à Dieu. Et il y a des catholiques, des intégristes laïcs, ça, les laïcs. On va en reparler, mais ceux qui pensent qu'ils ont Dieu. Voilà. On n'a pas Dieu. Je trouve très beau le fait que dans la tradition juive,
on ne prononce pas le nom de Dieu. Oui. Dans la tradition musulmane, il y a les 99 noms de Dieu, on ne connaît pas le centième, ça veut dire qu'il y a, cette distance. Alors nous, on prononce le nom de Dieu, mais nul ne possède Dieu. Ça, comme on est rattrapé par le temps, j'ai quelques questions, je voudrais très rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des papes de l'Église catholique a incarné le plus l'esprit du SRI? Pour moi, et c'est une question, c'est Jean-Paul II, que personnellement, j'ai vécu comme étant le chrétien le plus proche des musulmans. Je crois. Il a été, c'est lui qui a repris aussi Paul VI avant, mais qui était plus un intellectuel et qui s'est moins déplacé. Pour moi, le discours que Jean-Paul II a fait à Casablanca, si je ne me trompe pas, en août 1985, où il disait d'ailleurs, c'est la première fois que je m'adresse à des jeunes musulmans, je n'ai pas l'habitude, et dans lequel il a dit à la fois ces deux choses, nous croyons en un seul Dieu, nous croyons au même Dieu, et puis il a dit à la fin de son discours, bon, sur la personne de Jésus, là nous ne sommes pas d'accord, il y a une différence, et il a dit cette phrase, il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour. Et puis le geste qu'il a fait à Assise, je le trouve important parce que il a invité des représentants de toutes les religions du monde, non pas pour un colloque, il en faut de temps en temps, mais en disant, on est là pour prier Dieu pour la paix du monde. Donc on n'est pas là pour se regarder les uns les autres, et parce qu'il y a quand même, vous l'évoquiez tout à l'heure, une urgence, est-ce que les hommes sur cette planète et dans notre société française peuvent vivre en France ? Moi, je voudrais juste un aspect personnel, même si normalement je n'ai pas donné mon avis personnel, mais pour le pape Jean-Paul II, il a vraiment pris une importance dans mon esprit par son geste quand il a été voir celui qui lui a tiré dessus. Il a été le voir en prison, il lui a pardonné. Pour moi, c'était un geste musulman puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَإِنْ تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ » que vous pardonnez, c'est nettement mieux et meilleur pour vous. Et j'ai vécu ce pardon de Jean-Paul II à celui qui a voulu lui ôter la vie. C'est extraordinaire, comme un geste magnifique. Et je garde cette image du pape Jean-Paul II. On va en Syrie, et là il y a une contradiction, je ne sais pas comment l'Église la gère. La communauté chrétienne en Syrie, aujourd'hui, et officiellement en tout cas, soutient Al-Assad et le gouvernement, parce qu'elle a peur que la résistance, qui est hétéroclite, mais dont une partie est très, j'allais dire, orthodoxe, pour ne pas dire intégriste, est même proche pour certaines du mouvement Al-Qaïda, elle a peur qu'elle ne rétrécisse son champ de liberté et son champ d'existence. Et il y a le concert des nations, entre guillemets, les nations chrétiennes, l'idée par les États-Unis, la France et l'Angleterre, qui veulent, au nom de la punition pour ce qui s'est passé en Syrie, mener la guerre. Quelle est la position de l'Église? Je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je comprends parfaitement, et la parole est à vous. D'accord. Alors d'abord, non, ce que je conteste, c'est l'expression « nation chrétienne ». D'accord. D'abord, la France, elle est… Laïque, elle n'est pas chrétienne. Non, je respecte le président de la République, mais qui ne croit pas en Dieu, c'est son choix personnel, il ne peut pas… En tout cas, il est conforme à la République qu'il gouverne. Oui, oui. Mais c'est le mot « nation chrétienne » où je crois que là, il faut déconnecter… Des nerfs culturelles chrétiennes, qu'on le veuille ou non. Des nerfs culturelles, mais la nation n'est pas chrétienne. Il y a des citoyens français qui sont musulmans et je m'en réjouis. Très bien. Voilà, il y a cette expression. Sommes heureux de pouvoir supporter cette définition. Alors ensuite, la situation des chrétiens, autant que… comment dire, je ne suis pas le porte-parole de l'Église de France, là. Ce que je perçois, parce que j'essaie d'y être attentif… Il y a des responsables d'églises chrétiennes qui sont liés au régime. Ça, c'est reconnu. C'est avéré. C'est avéré, c'est reconnu. On a même vu des déclarations. Par le Vatican. Il y a, moi j'ai un ami, je crois qu'on peut dire un ami, le père Paolo Dell'Olio, jésuite, dont on est sans nouvelles depuis un mois, qui a franchi la frontière, qui lui a fait le choix de la résistance. Il s'est exprimé ici à Paris au mois de mai, en expliquant son choix, en expliquant que son grand-père avait résisté à Mussolini, que lui estimait qu'il fallait résister aujourd'hui. Il est allé pour essayer d'obtenir la libération des deux évêques orthodoxes, et on ne sait pas aujourd'hui s'il est vivant, s'il est mort, s'il est prisonnier de qui. Donc voilà, c'est pour montrer, là, ces deux attitudes. Et puis entre les deux,
Je connais un peu parce qu'il y en a un qui a été étudiant dans un cours que je faisais. Mais je ne connais pas tous les gens en Syrie. C'est vrai qu'une majorité de chrétiens soutient le régime par peur de l'avenir. Ça, c'est vrai. Mais je pense à des jeunes jésuites qui sont à Alep, à des jeunes maristes dans une autre ville qui ont ouvert les lieux où, qui accueillent des réfugiés chrétiens, musulmans, sans aucune distinction, et qui font ce boulot qui est plus un travail humanitaire en disant, nous, la tâche première... et puis si vous avez remarqué, c'est un impact, c'est décliné, je dis, puisqu'on parle sans langue de bois. Absolument. Dimanche, le pape François a lancé quand même un grand appel pour prière et jeûne, samedi prochain, 7 septembre, en disant, j'appelle tous les chrétiens et ceux qui voudront se joindre à eux. Et dans ces mots, c'est pour prier pour la paix en Syrie et en Proche-Orient, et c'est un appel... à tous les hommes de bonne donc volonté. Donc la position de l'Église, c'est pour le dialogue plus que pour la, l'attaque. Même le Vatican a pris très fermement position contre toute intervention militaire. Très bien. Je voudrais qu'on quitte la Syrie, même si on n'a pas développé, mais on est pris par le temps, pour aller en Égypte. En Égypte, la situation est un peu plus complexe. En plus, je pense que vous avez une petite faiblesse de cœur, puisque oui, vous avez résidé là-bas, vous avez des amis, vous avez une histoire, un vécu. Donc vous allez connaître, vous connaissez mieux le cas de l'Égypte. Et en Égypte, on vient de vivre quelque chose qui, personnellement, m'a énormément choqué. C'est le fait de déposer Morsi et les frères qui ont gagné les élections par la démocratie, qu'on n'arrête pas de nous chanter depuis des décennies. Cette démocratie, par le vote, a ramené ce groupe au pouvoir. Peu importe, on est avec ou contre, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais ce groupe n'a pas fait de coup d'État. Les frères musulmans n'ont pas fait de coup d'État pour être au pouvoir. Or, le fait qu'ils aient été déposés, d'après les renseignements, les commentaires, ce que nous avons entendu, la communauté chrétienne copte égyptienne y est pour énormément, pour ne pas dire, est presque un des acteurs principaux. Alors là, c'est Christophe Roucou qui parle. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. On oublie le SRI. Non, j'ai pas de titre pour engager l'Église de France. Tout à fait. J'étais en Égypte depuis la révolution du 25 janvier 2011, trois fois. J'y étais au mois de mars dernier. Moi, voilà un peu mon point de vue personnel en lien avec des amis chrétiens et musulmans. Le premier point, c'est que ce que j'ai constaté en mars, c'est que beaucoup d'Égyptiens qui avaient voté pour Mohamed Morsi n'étaient pas satisfaits de sa politique. Parlaient d'incompétence. Alors, on peut trouver des raisons avec l'ancien régime, des raisons économiques. Je prendrai un fait, moi, qui m'a choqué, mais qui a choqué, par exemple, toute la population de Louxor. Et à Louxor, il y a une majorité de musulmans. C'est de nommer comme gouverneur de Louxor, trois semaines avant le coup d'État, un gouverneur qui appartenait au Gamaat islamiya. Qui était responsable d'un attentat, oui. Je crois. Oui. Moi, j'y étais en Égypte à l'époque, à Louxor, de 40. Je me dis ça. Pour moi, c'est pas une question religieuse, c'est une question d'incompétence. Donc, il y avait, je pense... une majorité, si on parle en termes... Est-ce que cela justifiait que attendez, ben, j'ai pas fini. Oh, allez-y. Donc, une majorité d'Égyptiens qui n'étaient plus favorables au régime en place et qui disaient, du point de vue de la situation économique et sociale, alors il y a des tas de raisons qu'il faudrait analyser, mais ça ne bouge pas. À partir de là, c'est vrai qu'il y a eu le coup d'État de l'armée, soutenu... Quand on voit les images, moi j'ai regardé de nuit... Les déclarations de Sawir sont quand même très claires. Hein. Le général Sisi, oui. Avec le pape Tawadros et Ahmed et Tayeb, le Shir Delazar, que je connais, donc, et le mouvement Tamarroud. Donc de fait, il y a eu un renversement d'un régime légalement élu, même si les chrétiens, mes amis chrétiens égyptiens, ne veulent pas entendre cette expression. Ensuite, il y a eu la répression de la police et de l'armée. De la police. On est revenu à l'ancien régime, d'après ce qu'on constate. On est revenu à l'ancien régime. Et hélas, la police égyptienne... Elle ne brille pas par sa démocratie, hein. En tout cas, si on voit... Sa seule méthode d'interrogatoire, et je peux le dire pour avoir été témoin d'une conversation téléphonique il y a 20 ans déjà, à la suite d'un vol dans un institut religieux, la méthode habituelle d'interrogatoire dans les commissariats, c'est la torture. Mais évidemment. Et ça, ça n'a pas changé. Donc moi, je n'approuve pas du tout
la répression. Ensuite, je ne sais pas qui croire. La difficulté, je trouve, aujourd'hui, il y a eu un article, un titre de West France, qui me semblait juste, à moi qui suis loin, c'était « Propagande contre propagande ». Je téléphone à des amis. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'Égyptien de base, j'ai un ami qui est professeur de français, qui a 4 enfants, qui habite un quartier très, très populaire au nord du Caire. Et il me disait, Christophe, on ne sait plus, avant l'état d'urgence, il me disait, mais ça c'est le rôle, si le général Sissi se présentait, il serait élu. Après l'état d'urgence, il me disait, le problème, c'est la vie quotidienne. C'est-à-dire, moi, à la fin du mois, avec le salaire que j'ai, je ne peux pas faire vivre ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'approvisionnement, ma femme est allée au marché ce matin, avec l'état d'urgence, les voitures qui amènent tout ce que, parce que le delta du Nil est... Oui. Donc, par rapport à la position de l'Église chrétienne, moi j'ai entendu, c'est vrai que je pense, moi je dirais majoritairement. Pas, je dirais pas qu'ils sont responsables du coup d'État, mais ils le soutiennent. Ça, je crois que. Ah non, j'ai pas dit qu'ils ont fait le coup d'État. J'ai dit ils ont soutenu. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tout à fait. Avec la, si je prends l'autorité spirituelle la plus forte aujourd'hui, qui je crois est un homme d'une grande valeur, nouveau pape qui s'appelle Tawadros. Je suis sensible au fait que il y a quand même eu des exactions. Moi, deux des églises où j'ai célébré la messe à Suez ont complètement brûlé. Donc c'était un plan. Ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les églises qui soient brûlées, mais il y a aussi autre chose à l'intérieur même de la communauté copte égyptienne, par exemple, que l'on condamne à mort. Une copte chrétienne qui a embrassé l'islam, et au début ça commence par l'exclusion de la communauté chrétienne, et par la suite il y a eu des exactions récemment. Je vous inviterai, il y a eu plusieurs cas je de pense ce pas. Si il y a des cas qui sont avérés, et là si vous voulez c'est un autre débat, parce que là c'est le problème et le malaise profond de la société égyptienne. Par contre, ma question était simplement sur l'aspect politique. Objectivement, moi, j'ai été critiqué par des amis. C'est vrai qu'objectivement, une majorité de chrétiens égyptiens soutiennent le coup d'État militaire. Alors, quel espoir? Et c'est une de mes dernières questions. C'est l'avant-dernière. Mais on peut pas dire que, aussi, si on est objectif, les 90% de la population, 92% de la population égyptienne, soient tous du côté du Parti des Frères. Pas du tout. Pas du tout. Mais, mais j'ai dit que j'approuvais pas. Absolument. Mais la méthode, en tout cas, n'inspire pas confiance. Et c'est là ma question, l'avant-dernière question. Et maintenant, on va où? Le titre du film de la Libanaise, puisque ce printemps arabe qu'on a voulu nommer ainsi, on est en train de le constater, est en train de se mourir pays par pays. Le seul et le dernier qui résiste encore un tant soit peu, c'est la Tunisie. Et je ne sais pas, je ne donne pas cher d'ailleurs de cette expérience, vu que les gens du RCD regroupés sous la houlette de Béji Caïd Sepsi dans l'appel de la Tunisie, Nida Tounes, est devenue la deuxième force politique. Donc c'est une renaissance des cendres, et aujourd'hui impose sa volonté. Donc est-ce que c'est un bon message que l'on envoie à tous ces pays qui, à un moment donné de leur histoire, il y a 3 ans, ont espéré pouvoir vivre dignement dans ce qu'on appelle la démocratie et la liberté? Moi je dis, je suis professeur d'histoire à l'origine, et l'an dernier je réagissais quand des médias disaient il y a eu le printemps arabe, l'automne je sais plus quoi, et l'hiver des chrétiens. Je disais, arrêtons cela. Je ne souhaite pas à mes amis égyptiens, tunisiens, de vivre un processus aussi long pour la Révolution française. Mais je dis, nous, Français, rappelons-nous qu'entre le 14 juillet 1789... Vous avez pris un siècle. Et septembre 1875, l'amendement Vallon pour que la République soit inscrite, comme on dit, dans le marbre, il a fallu un siècle, qu'on a eu Napoléon qui n'était pas un grand démocrate, on a eu des retours à... Donc je me dis, on est dans un processus. Ce qui me frappe, c'est que quand même, un certain nombre de... Je connais plus d'Égyptiens que de Tunisiens, disent, on passe par des moments durs, mais la dignité et la démocratie et la liberté de penser et d'action, on pense que ça, c'est irréversible. Le peuple n'acceptera pas que ce soit complètement remis en cause. Donc ça, je fais assez confiance. Ce qui se dit aussi, alors je pense que c'est pas le cas de la Tunisie, mais de l'Égypte, c'était le manque de... Qu'est-ce qu'il faut dire, de formation politique, non pas des frères, parce que... Il y a une inexpérience totale. Oui, c'est ça, une expérience politique. Ils ne sont pas au fait de la gestion de l'État. Je veux dire, la plupart sortent de prison, il ne faut pas l'oublier. Je viens de signer un éditorial pour...
une lettre d'information dans la mission de France dont je fais partie, qui s'appelle Proche-Orient, réveillons-nous, où je me dis, il y a eu le printemps arabe, on peut discuter sur cette... Mais moi je dis, est-ce qu'on peut pas vivre l'automne de la solidarité, c'est-à-dire de ne pas en rajouter sur enfouir ses expériences, mais comment on va garder des liens de solidarité avec ceux qui se battent pour la dignité, la liberté et je trouve que l'Occident... Dernière question, justement, est-ce que une des réponses et un des messages à envoyer à ces pays qui espèrent et qui sont en pleine effervescence, ils sont en train d'écrire leur histoire. Tout à fait. Est-ce que un des messages ne serait pas de dire France, chrétiens et musulmans, réveillons-nous et d'envoyer un message positif d'entente, comment y parvenir et surtout, et c'est ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent adhérer ou est-ce que c'est il y a des associations pour développer ces échanges en tant que responsable du SRI? Alors le SRI, quel est le message c'est un département de l'Église de France, évidemment, c'est clair. Et par exemple, il y a des associations locales. Il y a à un niveau national une association qui s'appelle le groupe d'amitié islamo-chrétien le GAIC qui fait 10 jours de rencontres fin novembre qui a besoin de force. Moi, je vois un signe d'espoir, par exemple, c'est tout petit, mais il y a un pardon islamo-chrétien à cause de Louis Massignon en Bretagne le dernier week-end du mois de juillet. Et cette année, il y avait des scouts musulmans et des scouts catholiques. C'est la première fois qu'il y avait des jeunes. J'espère que c'est une amorce pour qu'il y ait quelque chose. Et je peux vous dire, mais c'est encore à l'état de tractation, que se réfléchit entre différents organismes musulmans et chrétiens, catholiques et protestants, une démarche commune de solidarité qui pourrait se vivre vis-à-vis des réfugiés syriens. Mais j'ai pas le droit d'en dire plus, donc... Et moi, je voudrais rendre hommage en fin de cette émission à quelqu'un qui m'a initié au dialogue islamo-chrétien, même s'il s'était converti à l'islam, c'est Vincent Mansour Monteil. Et vous avez cité Louis Massignon, c'est pour cette raison que vous m'avez immédiatement rappelé Vincent Mansour Monteil, rahmatullahi alayh, et c'était un grand homme. Et je profite de ce dialogue islamo-chrétien pour lui rendre un vibrant hommage et de rappeler qu'on peut lire ses ouvrages, pas tous parce que certains sont interdits, mais c'était un grand homme de dialogue et d'ouverture. Merci, continuons. Tout à fait. Merci Christophe Rocou, merci d'avoir accepté de participer à cette émission et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, bien au contraire. Inch'Allah. J'aimerais vous voir, Inch'Allah, avec le rabbin et l'imam dans des débats islamo-judéo-chrétiens. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci de votre attention. Je vous retrouve à la prochaine émission. Mon invité, c'est Au fil des rencontres. Il ne peut pas être annoncé d'avance. Par contre, je profite de cette émission pour remercier ceux qui m'ont copieusement insulté suite à l'émission où j'ai reçu le président de l'Association des Arméniens de France. Je voudrais simplement signaler que c'est pas ainsi qu'on peut débattre et ce n'est pas la porte de la tolérance, il faut accepter l'autre, quoi qu'il dise, et il faut critiquer, mais pas insulter. Mais merci quand même, parce que même dans l'insulte, ça prouve un intérêt. À la semaine prochaine.